tried to strap a buck to show you older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidgets, fidgets. Amis de KMT, bonsoir. Coucou à vous tous. Vous allez être surpris aujourd'hui, le plateau est un peu plus large que d'habitude. Et les invités sont majoritairement aussi plus jeunes que d'habitude. Je suis entourée en fait d'ados et de jeunes adultes, des artistes, des sportifs. Vous allez les découvrir à tour de rôle. Bonjour Lilou, bonsoir plutôt Lilou. Voilà, alors la ravissante Lilou que vous découvrez à l'antenne, c'est une grande sportive qui a eu la belle coupe que vous voyez à côté d'elle il n'y a pas longtemps. Donc je tenais à la recevoir. Elle a fait ses premiers pas de gymnastique acrobatique sur les plateaux de KMT il y a quelques Exactement. Années. Et elle m'avait promis qu'elle allait monter là-haut. Et effectivement, quelques années après, la voilà, qui nous présente sa coupe. Voilà, on continue avec donc Baptiste. Bonsoir Mylène. Alors, bonsoir Baptiste. Alors, Baptiste, c'est un pianiste, chanteur, et il a déjà même obtenu une clé d'or. Donc, félicitations à Baptiste. Merci. Et je suis heureuse de te recevoir sur le plateau de KMT. C'est la première fois? Oui. Voilà. On continue donc avec Elio et Noah. Alors, Elio, c'est le plus petit. Bonsoir, Elio. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Voilà. Tu n'es pas trop impressionnée par toutes les caméras autour? Non. Ça va? Oui, ça va. Noah. Bonsoir, bonsoir Mylène. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Voilà. Alors, je suis là seule, comme vous vous sentez, avec un petit problème à la gorge, mais on va continuer cette émission quand même. On va s'accrocher, même si je suis un peu malade. Alors, je suis venue effectivement avec de jeunes pianistes et chanteurs qui vont se produire lors de mon spectacle de fin d'année. Alors, nous verrons quelques images de ces moments de partage où la salle en général communie avec eux. On va commencer, honneur au plus petit, hein. On va commencer avec Elio. Tu es le plus jeune du plateau. Alors, tu m'as dit que tu ne te sens pas impressionné, même si la salle est truffée de caméras et tout ça, ça ne te fait pas peur. Non. Voilà. Et c'est un pro parce qu'il nous demandait déjà hors antenne où est-ce qu'il fallait regarder, etc. Il sait où sont placées ses caméras. Alors, Elio, je t'ai choisi parce que tu es bavard, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'Elio, on va lui poser une question, il sait répondre avec une jolie phrase, tout ça, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que c'est très difficile d'interviewer des enfants. En général, ils n'arrivent pas à faire des phrases complètes. Et avec Elio, on va faire l'exercice, on va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'en classe, tu es un bon élève? Oui, je suis un très bon élève. Qu'est-ce que tu préfères comme matière? J'aime le français, les maths, le sport, la science. Là, il y a beaucoup de choses. La science aussi. Oui. Alors, pourquoi? Parce que c'est des activités, il faut vraiment réfléchir pour aller jusqu'au bout de l'activité. D'accord. Donc, tu es quelqu'un qui est un peu intellectuel, qui aime bien réfléchir. Oui. D'accord. Et en plus, tu es sportif. Oui. Quel est le sport que tu pratiques? Je fais de la natation, du foot. Du football aussi? Oui, et du judo. D'accord. En natation, tu fais déjà de la compète? Pas encore, tu es trop petit? Je fais déjà de la compète. Oh là là. Et tu as quoi à peu près comme score, comme palmarès? J'ai à peu près... comme nage, j'ai par exemple des 100 crawls, des 25. Et tu arrives à peu près à quelle place? Oui, des fois j'arrive deuxième et t'es premier. Es-tu fière de toi parce que tu viens d'obtenir une mention très bien? Ah oui, après moins d'un an de cours à Mylène Duclos Musique. Moins d'un an de cours. Il a commencé en septembre. Ah oui, je suis très fière de ma mention très bien et j'ai beaucoup appris de choses avec Mylène Duclos. Avec moi, quoi. D'accord, c'est gentil. Est-ce que tu es vraiment passionnée par le piano? Oui. Tu répètes tout le temps? Oui, parce que c'est le piano, c'est un instrument qui est la mélodie et j'aime beaucoup la mélodie, les morceaux. C'est un instrument complet en fait. Tu peux avoir la mélodie avec la main droite, accompagnement avec la main gauche. Tu peux accentuer les sons, faire jouer plus fort, moins fort avec les pédales, mais ça tu verras quand tu seras plus grand parce que là tu ne les touches à peine, là, je pense. Mais en tout cas, moi aussi, je suis très fière qu'en quelques mois, tu aies déjà obtenu une mention très bien.
la première fois que tu participais à un concours des clés d'or. Oui. Voilà, ce qui prouve que ce fameux dimanche 23 juin à l'hôtel Batelière, nous allons voir des enfants qui sont travailleurs et avec lesquels j'ai de bons résultats. Est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire plus tard? Parce que tu m'as dit que tu as tellement de matières préférées que c'est large. Je voudrais être professeur de natation et j'aime aussi être médecin. Waouh! J'aime les deux. Lilou, il y a de la concurrence en face. Décidément, il y a des points communs. Voilà. Alors, tu aimerais être médecin. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plairait? T'occuper des malades? Oui, des malades. Il y a des médecins dans ta famille? Non. Non? Tu as eu ton idée tout seul? Oui. D'accord. Est-ce que tu as un plus grand rêve encore à part ça? Est-ce qu'il y a quelque chose devenir champion de natation. Champion de natation. Tu sais que ce plateau-là, il porte bonheur. Hein? Ah bon? Ah ben oui. Parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait devenir une grande championne de gymnastique acrobatique, c'est ça? Gymnastique artistique. Artistique. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi il y a la coupe. OK? Oui. Voilà. Alors, j'ai une championne de gymnastique artistique, un futur champion. D'accord? De natation. De natation. Ça fait beaucoup. Nous allons passer donc à Noah. Merci beaucoup, Eliou. Et puis, tu peux intervenir si tu as envie de dire quelque chose, rajouter quelque chose tout à l'heure. Oui. Alors, Noah, tu es le plus grand frère. Tu es donc le grand frère d'Eliou. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Alors, moi, j'aime la natation. En fait, j'aime tout ce qui est du sport. Tout ce qui est sportif, d'accord. Oui, tout ce qui est tu fais aussi du foot comme ton frère? Oui, c'est ça. D'accord. Quelles sont tes matières préférées à l'école? Alors moi, les maths, les dessins, le sport, c'est tout. Donc tu as le petit côté artistique quand même, oui. Si tu aimes le dessin. Tu as déjà essayé de faire des tableaux? Oui, on a déjà fait plusieurs avec maman pour s'entraîner. Vous vous entraînez? Oui. Et est-ce que maman les a mis dans des cadres à la maison? Oui, on a déjà. On va bientôt afficher dans la maison. D'accord. Il faudra que je vienne voir ça. Alors, tu as dit que tu aimes aussi beaucoup les maths. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme profession? Alors, plus tard, j'aurais aimé être footballeur. Footballeur professionnel. D'accord. Alors, bien évidemment, j'ai reçu, par exemple, Wani Yann, qui est un très bon élève de piano encore, mais il est dans les examens là, en ce moment, qui m'avait dit « je veux devenir astronaute ». Et puis là, maintenant, il a évolué et il a grandi, forcément. Donc, son rêve s'est transformé en autre chose. Et je lui prédis déjà une grande carrière de chef d'entreprise parce que l'idée qu'il m'a soumise, je pense que ce secteur, ça va marcher, quoi. Alors, tu es monté toi aussi carrément sur le podium des Clés d'Or parce que pour ta première année, tu as eu une médaille de bronze. Cela t'a touché? Oui, et j'étais très contente parce que c'était ma première fois. Oui. Alors, déjà au début, j'étais vraiment stressée. Je me disais, je vais réussir ou pas. Et je suis contente du résultat. D'accord. Donc, on va vous écouter en tout cas tous les deux au spectacle du dimanche 23 juin. C'est à partir de 16h à l'hôtel Batelière. Mais déjà, on va regarder quelques images d'anciens spectacles et des images aussi d'Eliou et de Noah qui viennent de parler. Déjà pour découvrir ce qu'ils font. Alors, il y a des images qui sont un peu amateurs, il y en a d'autres un peu plus pros, mais vous allez voir déjà le talent de chacun. J'ai 7 ans, je vais vous interpréter le morceau Chia Panicas. Kikali, j'ai 9 ans et je vais vous présenter le morceau Avant toi par Vita et Slimane. Thank you.
Bravo à tous les deux. Ça vous fait quoi de vous voir comme ça déjà sur un plateau télé? Ça nous fait... Alors c'est... Ça nous fait une impression de voir comment on joue, mm-hmm. de voir qu'on a progressé. De voir que vous avez progressé. Et oui. Toi? Alors c'est bien de voir la télé, on se dit que c'est bien que c'est nous qui jouons comme ça, qu'on a progressé en même pas une année. Mm-hmm. Et vous êtes fiers du résultat? Oui. Est-ce que le piano, Noah, te procure un plaisir particulier? Oui. Alors, le piano, j'espère quand je joue, j'ai l'impression d'être en harmonie avec le piano. Même qu'il m'arrive des fois, quand je joue au piano, enfin même pas quand je joue au piano, quand je réfléchis à quelque chose, de jouer au piano dans le vide. Donc, ton cerveau, en fait, fonctionne en permanence avec la musique? Oui. Il n'y a pas de musicien dans ta famille? Alors, si, papa et maman étaient déjà musiciens. D'accord. Alors, papa joue de quoi? Alors, avant, il jouait du piano comme nous. Ah, c'est pour ça qu'il a voulu que nous aussi, on commence. Mm-hmm. Et après, il a commencé à faire de la guitare basse. D'accord. Maman joue de temps en temps? Maman aussi joue du piano. D'accord. Donc, en fait, vous êtes la continuité de parents musiciens déjà? Oui. Une famille d'artistes? Bien, même si, en fait, leur fonction dans la vraie vie est totalement différente, mais c'est comme quoi on peut allier le côté artistique avec un travail très différent. Est-ce que vous êtes intimidée de savoir que vous allez jouer devant des centaines de personnes? En fait, j'ai... Alors, pas beaucoup. J'ai super... Par contre, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir comment ce sera, mmh. à quoi ça va ressembler. D'accord. Et toi? Moi, je pense que ce sera bien et je suis moyennement intimidée. Mais sinon, je pense que ça va aller. Ça va aller, d'accord. J'aimerais savoir, comme ton petit frère tout à l'heure, quel est ton plus grand rêve? Alors, j'en ai plusieurs de plus grands rêves, j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a un que j'aurais vraiment voulu réaliser, c'est réussir à devenir footballeur. Ah oui, parce que ça, ce c'est vraiment pas donné de réussir à devenir. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas l'air de rien, l'activité la plus facile, parce qu'en fait, il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus, parce que c'est très difficile, en fait. Même pour avoir une vie de famille, faut être coupé de la famille, quand il y a les compétitions, c'est un travail très intense. Mais pourquoi pas? Et puis, de toute façon, intellectuellement, tu auras aussi d'autres capacités. Oui, parce que si jamais je réussis pas à être footballeur, il mm-hmm. y a plein de choses que je pense que je pourrais... Oui, alors justement, quoi? Je pense que je pourrais être scientifique ou quelque chose dans le genre. D'accord. OK, on vous remercie. À tout à l'heure, Baptiste, on va passer à toi. Alors, Baptiste, c'est notre chanteur pianiste d'aujourd'hui. Ça fait quelques années que tu pratiques les deux activités, piano et chant. Tu as même déjà reçu une clé d'or. Ça s'était passé à l'hôtel Batelier, justement. Est-ce que c'est une fierté? Oui, très. Ah, je passe devant tous les jours en rentrant chez moi et je suis très fière d'avoir gagné cette coupe. Elle est placée où, alors, cette clé? Dans mon salon, sur une étagère. Sur une étagère, carrément. D'accord. Ben, c'est vrai que j'aurais fait comme toi. Donc, les enfants, vous avez vu le but pour les prochaines années. Quand on a une clé d'or, ça veut dire qu'on est vraiment le premier du podium. Voilà. Baptiste a beaucoup travaillé aussi sa voix, mais c'est vrai qu'au départ, il était petit comme vous, petit comme Elio, et il a commencé par les cours de piano. Mais très vite, il m'a dit, Mylène, j'aimerais bien chanter en m'accompagnant. Donc, je faisais des petites vidéos de lui, il était au piano, il chantait, il s'accompagnait, il faisait quelques accords. Donc déjà, on sentait qu'il avait vraiment une fibre artistique complète. Et puis, bien évidemment, j'ai répondu oui, hein, donc on a progressé là-dessus. Et maintenant, en fait, tu joues très bien du piano et tu chantes aussi très bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous, pour le spectacle? En piano, je vais m'accompagner du piano et chanter en même temps avec Say Something. Okay. Et en chant, avec le reste du groupe, on va interpréter Another Love et In the Star. Voilà. Donc, vous avez vu que le programme est assez vaste pour Baptiste. Vous allez le voir une fois au piano et puis deux fois dans la partie chant.
Alors, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'élèves de piano que d'élèves de chant. C'est pour ça que pour le chant, ils vont faire deux chansons, mais ils sont plusieurs. Et pour le piano, il n'en fera qu'une. Alors, qu'est-ce qui te séduit autant dans le fait de chanter, de t'exprimer ? Pour moi, le chant, c'est pas juste des paroles balancées en l'air comme ça. Je pense que c'est faire passer un message d'une autre manière qu'à l'oral, qu'en parlant. C'est une manière d'entraîner les gens, de les influencer, peut-être même de leur faire découvrir nos passions. Et puis on peut parler de tous les thèmes. Alors j'ai par exemple un élève adulte qui a vécu beaucoup de harcèlement quand il était jeune, donc qui a fait lui-même son texte sur le harcèlement scolaire, qui malheureusement continue encore. Parce que j'ai encore des élèves qui me racontent, qui se confient à moi et qui souffrent beaucoup aussi. Donc, un message pour tous ceux qui écoutent. On parle du harcèlement tout le temps à la télévision, mais ça continue. Si vous voyez qu'il y a un camarade qui est en souffrance à l'école, allez le signaler discrètement au professeur ou au proviseur pour qu'on puisse faire attention un petit peu plus particulièrement à lui, pour qu'on puisse l'aider. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, Lilou ? Alors, je n'ai pas été harcelée quand j'étais. C'est vrai que. Est-ce que tu as connu des élèves harcelés ? Alors, j'ai souvent été déléguée. J'ai souvent eu cette manière plutôt simple de parler, de discuter. Donc, c'est vrai que certaines personnes ont, à l'occasion, pu se confier à moi et du coup, j'ai pu les aider. Mais c'est vrai que du coup, les personnes qui ont plus de facilité à parler, à s'exprimer, que ce soit aux professeurs, aux autres collègues de travail, etc. N'hésitez pas. Franchement, si vous avez cette facilité, allez vers le camarade qui est plus timide, qui est plus en retrait. N'hésitez pas. Souvent, il se confiera à vous et ça ira beaucoup mieux. Même si vous l'intégrez, ça sera beaucoup mieux. Donc, aidez tout à chacun comme on peut. Voilà. Par exemple, j'ai remarqué que très souvent, du côté de Cluny, pour ne pas situer le supermarché, il y a des groupes d'enfants qui mangent ensemble, qui ont tendance à se mettre par terre dans un petit coin pour manger ensemble. Et il y a une petite fille qui mange toujours toute seule, qui est un petit peu en surpoids et qui mange seule. Je me dis, elle n'a pas une copine à côté d'elle. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup d'images pour comprendre que cet enfant-là vit quelque chose de pas génial. Donc, allez vers ceux que vous sentez justement qui ont des problèmes. Alors des fois on les critique parce que ils ont un genre, c'est pas le genre de tout le monde, on les harcèle. Ils sont un peu en surpoids, on les harcèle. Ou bien ils sont trop maigres, on les harcèle. Enfin il y a toujours quelque chose. Et même des fois, même on ne trouve aucun défaut, mais il suffit de n'avoir pas plu à quelqu'un qui est capable d'entraîner une bande derrière pour harceler les autres et c'est parti. Donc voilà, faites très attention à ça et aidez si vous pouvez ceux qui sont en difficulté. Alors, pour revenir à toi, Baptiste, parce que tu disais qu'on peut faire passer des messages à travers la chanson, donc j'ai rebondi sur la balle, voilà, grâce à toi. Tu chantes aussi bien en créole, en français, qu'en anglais. Mais quelle langue te plaît le plus pour chanter ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de facilité à chanter en anglais. Je confirme. Mais j'ai aussi, j'aime beaucoup les textes en créole. C'est quand même la langue de mon île, c'est ma fierté. Et j'aime beaucoup ces textes dans ma langue natale, si je puis dire. Voilà. Parce que c'est vrai que l'an dernier, j'avais eu un contrat personnel pour chanter à l'aéroport du Lamantin. On nous avait installé un beau piano à queue, un super podium et tout. Et j'étais allée avec 6 élèves avec lesquels j'avais partagé le cachet. Je leur ai dit, vous êtes comme des artistes aujourd'hui, vous produisez en artiste. Donc, je partage le cachet, nous sommes 7, partage en 7. Est-ce que tu étais fière de recevoir ton premier cachet ? Ça t'a pas fait bizarre d'être payée pour venir chanter ? C'était la première fois, oui, mais j'étais très contente. Oui, ouais. Voilà, donc tu as déjà chanté donc, à Tropicatrium, à l'aéroport Aimé Césaire, au Centre culturel du Lamantin, à Batelière. Donc tu as une petite expérience. Donc toi, tu ne stresses pas particulièrement pour le prochain spectacle ? Non, pas du tout. J'ai surtout très hâte de chanter devant tous ces gens. Donc pour toi, c'est un bon rendez-vous que tu attends ? Oui, j'attends. D'accord. Chaque année. Quel est ton plus grand rêve à toi ? Devenir chanteur professionnel. Faire de la chanson mon métier au quotidien. C'est l'un des buts que je me fixe depuis tout petit.
et j'espère pouvoir le réaliser. D'accord. Tu avais déjà été un petit peu repérée par The Voice, mais je pense que dans ta tête, tu as plus envie d'être, parce que c'était The Voice Kid, tu as plus envie d'aller dans The Voice adulte ou pas? Je n'ai pas de préférence. Vraiment, donc j'ai c'est, juste c'est pas très grave. Non, c'est pas okay. très grave. Parce qu'entre-temps, il y a eu la MU. Alors, pour ceux qui savent en chant, quand vous êtes entre deux voix, c'est pas très évident de chanter à cheval sous la voix d'enfant et la voix d'adulte. Mais bon, ça ne freine pas une carrière pour autant. Hein. Donc, Baptiste va de plus en plus garder sa voix définitive. Des images d'un peu tout le monde, des chanteurs, des pianistes de différentes générations. J'ai fait un petit coup d'œil, un petit clin d'œil aussi à des anciens, de l'époque de Lilou d'ailleurs. Exactement. Voilà. Alors, nous étions avec Baptiste et Baptiste va nous interpréter donc trois morceaux le dimanche 23, donc bientôt. À partir de 16h, nous serons à l'hôtel Batelière. La première partie, ça sera avec les Poussins. Au piano, pré-ado, ado, adulte. Deuxième partie, alors tu seras dans l'intermédiaire parce que tu vas faire piano chant. La deuxième partie, il y aura donc chant uniquement, avec non pas des poussins, mais à partir des pré-ados, ados, au chant. Voilà. Alors pourquoi pas les poussins? Parce que je ne prends pas les tout petits qui ne savent pas lire assez rapidement, lire et écrire pour faire du chant, parce qu'il faut quand même retenir des textes et tout ça, sinon on va faire que du béaba, et c'est pas très pratique. Voilà. Baptiste, en classe, quelle est ta matière préférée? La musique. C'est la bon. Musique, on chante, on apprend des textes, des leçons, c'est mm-hmm. vraiment la matière où je suis le plus fort, mm-hmm. j'ai que des bonnes notes. Ben, heureusement que mon élève me fait honneur et qu'il est le meilleur à l'école. Voilà. Est-ce que tu sais, à part si tu n'es pas, par exemple, musicien professionnel, Dans quoi tu aimerais travailler éventuellement après? Alors, depuis le début de l'année, je travaille un peu sur mon orientation, vu que je suis en classe de 3e. Et j'ai réfléchi un peu, je me suis dit pourquoi pas avocat. C'est un métier qui me tente bien. Maintenant, je ne suis pas sûre à 100% de savoir quel métier je veux faire plus tard. D'accord. De toute façon, ça a le temps d'évoluer. Mais bon, vous avez de beaux projets, hein, tous ceux qui ont parlé. Alors, je vais arriver sur Lilou. Lilou, c'est un cas spécial. Lilou a fait du piano pendant de nombreuses années, mais Lilou a aussi fait de la gym artistique depuis toute petite. Alors, est-ce que tu te rappelles de toi en train de faire des acrobaties sur le plateau là? Oui, je m'en rappelle. C'est vrai que ça fait un moment, mais je me souviens que j'aimais déjà tellement ça à l'époque et c'est pour ça que je continue jusqu'à maintenant. Voilà. Et tu m'avais dit dans une interview, je rêve d'être championne de France. Championne de France, voilà, de gymnastique artistique. Alors, le rêve est presque réalisé? Exactement, le rêve est à moitié atteint, enfin, plus qu'à moitié même, oui. J'ose dire. Mm-hmm. Parce que, en fait, mon équipe et moi-même, car c'était en équipe, nous sommes partis en France début mai, ce début mai 2024, pour participer au championnat de France qui se déroulait à Amiens. Voilà. Donc, nous étions en catégorie fédérale A, 10 ans et plus. Et nous sommes arrivées vice-championne de France avec 146,900. Ça s'applaudit quand même. Donc voilà, avec alors, la coupe voilà, et bien sûr aussi la médaille des vrais championnats de France. Voilà. Donc j'ai aujourd'hui 19 ans. Donc c'est vraiment un accomplissement pour moi. La gym, j'en fais depuis que j'ai 3 ans.
Donc voilà, j'en profite pour remercier du coup tous les coachs, ceux qui nous ont accompagnés, donc Meina, Iris, Patrick. Mais on remercie aussi toute l'équipe et moi-même, tous nos entraîneurs qu'il y a eu depuis notre début. Donc ça passe par Gaëlle, Perrine, Manon, etc. Donc nous les remercions beaucoup. On sait que c'est un moment qui va rester gravé à jamais dans nos esprits parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. C'est une belle équipe, vraiment. On sait qu'il y a eu des difficultés, c'est vrai. Il y a eu pas mal de choses et les France, c'est vraiment un level au-dessus. Et on a su être accompagnés, on a su être écoutés, on a su se motiver entre nous en tant que coéquipières et on est extrêmement fiers de notre résultat. On sait que la prochaine étape, ce sont les individuels. Donc là, on est parti en équipe et on a de nouveaux objectifs déjà pour la fin de l'année et puis pour les années à venir aussi. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas fière d'avoir une Martiniquaise déjà, tu t'exprimes parfaitement bien. Merci. Qui a une beauté extraordinaire, qui a un cerveau extraordinaire parce que, alors, à part le fait d'être notre vice-championne de France de gymnastique artistique et de nous amener une jolie médaille ici, Lilou a aussi... J'ai un côté un peu voilà. Médecine. Voilà, médecine, puisqu'elle a passé le concours de médecine. Et tu l'avais eu à... Je suis arrivée, du coup, quatrième. J'ai eu 17,5 voilà. De moyenne. Quatrième au concours d'entrée médecine, hein, quand même. Fallait le faire. Voilà, donc, du coup, avec tout mon côté sportif, gymnastique, j'ai été attirée par kiné. Donc, c'était une idée que j'avais déjà depuis le collège. Donc c'est vers ça que je me suis tournée. Je suis maintenant en première année de kinésithérapie à l'IFMK, l'Institut de formation de masseur kinésithérapeute, juste à côté de la Ménard. Donc j'ai passé ma première année. J'attends encore les résultats, mais je le sens bien. Oui, t'es positive quoi. Exactement. De toute façon, en sortant quatrième du concours déjà, on sait qu'on a une tête. Bon, alors... Gymnastique artistique depuis toute petite. Exactement. Donc, tu as pris des cours toutes ces années-là. Oui. Elle a été aussi une excellente pianiste. Donc, elle a participé à de nombreux spectacles. Exactement, grâce à Mylène. Voilà. Et puis, là, elle s'est concentrée effectivement sur... La médecine, mes études. Est-ce que... Alors, dans le futur, je pense qu'elle va... s'occuper un peu de sa vieille professeure de piano aussi. Avec plaisir. Alors, une championne de sport, une pianiste, étudiante en médecine. Ta maman, à qui je profite pour faire un petit clin d'œil, elle est comblée quand même. Oui, maman, elle est tellement heureuse pour moi. C'est vrai que la première année de médecine a été une année très compliquée, que vraiment elle m'a aidée, elle m'a vraiment soutenue au jour le jour et ma maman a toujours été là pour me soutenir, que ce soit dans tous mes choix. C'est vrai que quand j'étais petite, j'enchaînais beaucoup de choses, la gym, le piano, l'école, on sait déjà, rien qu'avec les deux qu'on a vus au tout début, ils ont dit aussi qu'ils faisaient pas mal de sport. Donc maman m'a toujours soutenue aussi. Voilà, et puis je n'ai pas oublié, quand j'avais mes programmes avec une centaine de noms à taper, que maman me disait, mais oui, t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi. Et puis elle le faisait en plus. Exactement. Voilà, là, donc je lui dois beaucoup aussi. Hein. Gros bisous. Voilà. Alors tu disais que tu avais eu l'idée d'être kiné, mais kiné précisément ou bien la médecine depuis toute petite? En fait, ça s'est tourné vers kiné. J'ai voulu faire kiné et j'ai découvert après par la suite en me renseignant qu'il fallait passer par médecine. Mais c'est vrai que je suis attirée par tellement de choses. J'aimerais me spécialiser dans kiné du sport. J'aimerais faire peut-être de l'ostéopathie. C'est vrai que la pédiatrie m'attire aussi. J'ai, on va dire, une soif de connaissances et qui, du coup, se résume bien sûr dans le côté médecine. Mais je ne me mets aucune barrière et je sais qu'avec ce métier, déjà, j'ai franchi un pas. D'accord. Il me permet aussi de voyager, de faire pas mal de choses. Donc j'imagine donc, pour le plus. Tu t'épanouis au mieux et le travail paye. Exactement. C'est ça. Donc, il faut dire ça à tous les jeunes. En fait... il faut vous donner les moyens de réussir. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas réussir. Si vous ne répétez pas, vous n'allez pas réussir. Ceux qui se mettent à travailler, ne serait-ce que pour le spectacle, et puis qui s'y mettent 15 jours avant, ben forcément, ça ne pourra pas aller. Donc, dans tout, il faut du travail, il faut de la passion. Exactement. Voilà. Il faut être motivé. Motivé. Et,
et savoir ce qu'on veut. Alors, au début, tu as pris des cours en gymnastique, mais après, tu en as donné aussi, non? Oui, exactement. Tu as été formatrice un peu. Oui, un petit peu, mais j'aspire peut-être à avoir un vrai diplôme où je pourrais être entraîneur. Donc, parce que... Ça en fait des choses, hein. Il y a pas mal d'objectifs, mais c'est vrai que à l'occasion, j'entraîne. Surtout aussi, par exemple, pendant les vacances, il y a des stages où on encadre les plus petits. Donc voilà, voilà j'en donc profite aussi. Vous voyez que vraiment, c'est une artiste et future kiné complète, quoi. Alors, je vous rappelle que j'ai reçu tout ce petit monde. Alors, j'ai ajouté Lilou pour le petit clin d'œil. Pour nous avoir apporté le... Voilà, après, c'est vrai que le piano m'a beaucoup apporté aussi. Voilà, mais c'est une élève de piano aussi. Donc, exactement. Et qu'on a toujours plaisir à se voir. Hein, oui, toujours. On continue à se voir mais assez souvent. Je prends toujours plaisir à faire du piano. C'est un instrument qui ne me quitte pas. J'ai été dedans et je l'ai tellement aimé. Tu me l'as fait tellement aimer aussi, Mylène, que j'en profite pour moi, pour mon propre plaisir. Je m'en joue et je sais que le piano, ça restera toujours quelque chose de spécial pour moi. Bon, mais ça me touche. Alors, je vous rappelle donc le rendez-vous pour écouter tous ces élèves de piano, de chant, le dimanche 23 juin à 16h à l'hôtel Batelier. Alors, il y aura des tickets en vente sur place, mais n'arrivez pas à 16h pour prendre les tickets parce que nous, quel que soit ce qui se passe dehors, à 16h, on commence. Je suis obligée de respecter le temps de location et puis le déroulement du spectacle lui-même. Alors, j'en vends aussi à Mylène Duclos Musique, mais il ne faut pas venir à l'improviste comme ça. Il faut m'appeler d'abord au 0696, vous avez le numéro qui s'affiche sur l'écran, 24 41 30. Voilà, si vous voulez vous procurer à l'avance le ticket. Sinon, le jour même, nous allons en trouver. Aujourd'hui, donc, j'ai reçu mes élèves, car je rappelle que l'école de musique que je dirige depuis plus de 20 ans se situe à Cluny, que nous terminons l'année avec ce spectacle comme chaque année, c'est-à-dire que nous travaillons de septembre à juin, comme les vacances scolaires, nous serons en vacances pendant les 2 mois. Et ceux qui veulent déjà, d'ailleurs j'ai beaucoup de personnes qui réservent déjà pour la rentrée, je prends les réservations par téléphone, je note les noms, les numéros et tout ça jusqu'à fin juin et après on se voit en septembre. Alors je remercie Elio. Merci Elio d'être venu sur le plateau. Merci. Voilà, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Noah? C'est moi qui te remercie de nous avoir invités. C'est gentil de ta part. On continue avec Baptiste. Ah, de rien, de m'avoir. Merci de m'avoir invité. Oui, c'est normal que je pense à vous tous. Et puis Lilou, dès que j'ai su. Merci beaucoup, Mylène. Voilà. C'est vrai que c'est très gentil d'avoir pensé à moi et voilà, ça me touche. Comme les émissions touchent à leur fin, vous savez qu'on se donne rendez-vous aussi à KMT parce que quand j'arrête les cours de piano, j'arrête aussi les présentations télévisées jusqu'à la prochaine rentrée. Donc l'émission Conversation, vous allez la retrouver à partir de septembre 2024, excusez-moi, puisque là nous allons donc ce soir, c'était la dernière et c'est pour ça que je l'ai consacrée à mon école de piano. Contrairement à d'habitude, je la consacre toujours à des invités, chanteurs, artistes et autres. Nous allons nous quitter quelques images encore qui n'ont pas été diffusées, notamment de Mathieu, je crois, au téléphone, et puis des petits extraits de moi sur scène. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you.
the hand that guides us, strap up off the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget.